instant. Et bonjour à tous, bienvenue à cette dernière ronde, quatrième ronde de la saison du Canadian e-Racing Challenge en direct du Canadian Tower Motorsports Park, ou Mosport comme certains même l'appeler, de son ancien nom, en Ontario. Olivier Turcotte, accompagné d'Éric Gaudreau-Drapeau et de Luc Carbonneau pour la description et l'analyse de cette course qui s'annonce très excitante, messieurs. On a une lutte au championnat assez importante entre McCorrins et Andrew Waring. Oui, tout à fait. Ben, c'est la conclusion de cette petite série de quatre épreuves là, qui va se terminer sur le tracé mythique là, du Canadian Tire Motorsports Park du Nord-Ouest de Belleville en Ontario. Et définitivement, donc, on va avoir beaucoup d'action sur un tracé qui est quand même court là, pour des voitures de GT3. Bien évidemment, là, c'est l'épicentre du sport automobile canadien, surtout en Ontario. Donc, vraiment une piste qui va être bien connue de la majorité des pilotes en piste ce soir et qui devrait nous donner, comme je le mentionnais, une panoplie d'action. Effectivement, une panoplie d'action à prévoir, surtout que, comme vous mentionnez, la lutte au championnat est seulement séparée par 12 petits points entre la première et la deuxième position. On parle ici, bien entendu, de Mackenzie Corrins et de Andrew Waring, les deux qui ont affiché d'excellents résultats en terminant en moyenne en haut de la troisième position lors des trois premières épreuves également. Toutefois, ce n'est pas terminé là, pour non plus également pour les positions hors du podium. Là, il y a une lutte très féroce en ce moment pour qui se dessine pour la troisième et surtout pour la quatrième position, devrais-je dire. Il y a trois pilotes qui sont impliqués dans cette lutte. Alors vraiment, on va avoir le droit à une course très, très importante, autant sur la piste qu'au niveau du nombre de points dans le championnat des pilotes. Oui, d'ailleurs, voici ce dont a l'air ce championnat des pilotes, comme vous pouvez le voir. Donc, comme on mentionnait, McCorrins qui mène par 12 points, comme tu mentionnais, 204 contre 192 pour Andrew Waring. Par contre, ne pas négliger Justin DiBenedetto qui est quand même à 183 points. Donc, si ça va mal du côté de Corrins, on a peut-être une chance là, du côté du 96 qui, soyons francs, a été extrêmement constant au courant de la saison. Malheureusement, Olivier, pour l'instant, DiBenedetto ne semble pas être présent ce soir. Donc, espoir en vain de son côté. À moins qu'il se rejoigne là, très tardivement, ce qui serait surprenant de son côté. Ou du moins, si on le fait, ben, va falloir se battre contre des pilotes là, qui ont près d'une heure de pratique dans le corps jusqu'à maintenant. Et McCorrins qui rentre dans cette course avec l'intention de la remporter. Mac nous l'avait un peu promis là, dans l'entrevue la semaine dernière d'après-course qu'il était tanné de terminer deuxième. Ça fait deux épreuves de suite là, qu'il termine au deuxième rang. Et voulait remporter non seulement ce championnat, mais aussi cette quatrième et dernière course de saison. Oui, tout à fait. En effet, surtout, ça serait intéressant de voir ce que Andrew Waring a dans le ventre. Moi, c'est mon favori pour aller remporter là, cette épreuve-là. Je m'attends à de grandes choses de sa part. Mais je pense que ça va être... Comment je pourrais dire ça? Je mise contre Mackenzie Corrin et j'ai un petit peu mal à l'âme, par exemple. Et messieurs, on vient de me dire que donc Gavin Sanders et Justin DiBenedetto qui ne sont pas présents aujourd'hui. Donc ils font leur test en fin de semaine à Calabogie pour leur saison de Nissan Micra. Donc il y a toujours un espoir de ce côté-là, heureusement. Donc, mais malheureusement, ça veut dire qu'ils ne seront pas présents. Donc Curtis Fox, Olivier Bédard et Erwin James, et peut-être même un Craig Anderson que je vois en 8e rang là. On a peut-être une chance de monter quelques positions si tout va bien. Ben, je te confirme que Curtis Fox non plus n'est pas présent. Par contre, Anderson et Bédard y sont. Bédard qui avait quand même un bon temps là, dans la séance de pratique. Il était au troisième rang derrière Crisp et Corrins respectivement en 1 minute 16-143. Il n'a pas de temps de qualification d'affiché pour l'instant, le numéro 7, mais aura quand même une belle occasion de se remonter là, possiblement dans le top 5 du classement avec les nombreux absents jusqu'à maintenant là, dans ce dit top 5. Oui, on voit le reste donc, du classement là, qui défile devant nous. J'ai quand même quelques noms qu'on est un peu surpris de voir aussi loin. Je pense entre autres à un Sam Fellows et un Kurt Wittmer là, qui n'ont jamais réussi à sortir des blocs de départ, malheureusement. Donc, peut-être une petite difficulté à s'adapter au niveau simulateur pour certains. Je pense que c'est ce qui ressortait un peu des différentes discussions qu'on avait réussi à avoir. Et ça, c'est un peu dommage, justement. Et je dirais assez intéressant aussi de voir que, justement, certains pilotes dans la vraie vie vont avoir la difficulté à s'adapter à un simulateur. Je pense entre autres à un Jimmy Johnson en NASCAR qui a eu les mêmes problèmes pendant un certain temps. Là. Au début de la saison la saison virtuelle qu'il y a eu, la petite saison virtuelle. On a eu la difficulté de son côté, on s'est adapté au fil du temps, mais
c'est pas la première fois qu'on voit ça non plus là, dans une situation comme ici. Ben, la réponse est simple, Olivier, c'est que ces pilotes qui sont, on va dire, accoutumés au simulateur, ben, soit ont grandi en jouant à des jeux vidéo de course puis qu'ils approchaient de la simulation, ou ont déjà fait leur marque là, sur le simulateur. C'est sûr et certain que je pense à un Jimmy Johnson qui arrive frais et dispo, certes, avec 7 championnats de NASCAR sous la cravate sur un simulateur, ben, ça sera pas la même adaptation qu'un pilote qui a déjà fait ses marques. Mac Corrins, qui nous l'avait dit lors de son entrevue à Watkins Glen, il avait déjà coursé précédemment sur le simulateur. Et pour lui, ce n'était pas surprenant de voir là, que les simulateurs allaient prendre un plus grand rôle là, dans la préparation des pilotes et évidemment dans le niveau compétitif également. Donc, c'est un peu un aspect qu'il ne faut pas négliger non plus, que les pilotes qui excellent dans le simulateur ben, avaient déjà là, fait cette adaptation auparavant. En effet, quand je regarde la liste des pilotes en ce moment, ils ont tous de l'expérience dans le simulateur, que ce soit peut-être Kevin King qui a peut-être pas la plus grande expérience parmi les pilotes en bas de la trentaine, mais à l'exception de ça, lorsqu'on regarde toute la liste des pilotes, la majorité qui sont présentement au Canadian Motorsports Park ont tous au moins une centaine de courses officielles à leur actif derrière la cravate dans le simulateur. Donc, c'est sûr que ça peut jouer pour quelque chose. Et quand même aussi un très bon classement qu'on appelle le iRating sur le simulateur iRacing. Souvent, si on peut... On va dire qu'un bon pilote, là, un pilote avancé va être en haut de 3000-3500 de iRating. Et c'est là où est-ce qu'on se retrouve pour la majorité des pilotes là, qui ont déjà de l'expérience. Par contre, Olivier, bien évidemment, ben, Mosport étant un tracé très connu de ses pilotes, ben bien hâte de voir, parce que ça reste une configuration assez unique comme tracé. Et fait à noter, pour ceux qui connaissent bien le tracé, ça reste une ancienne version que iRacing possède, une version qui a été scannée, corrigez-moi si je suis dans l'erreur, dans les eaux de 2010 à 2011. Donc la sortie du virage numéro 3, par exemple, la descente qu'on peut appeler virage 3, n'est pas asphaltée. Donc ça vous donne un peu moins de marge de manœuvre là, que le tracé réel. Et oui, Eric, tu as raison, c'est vraiment dans ces eaux-là, je dirais peut-être 2012, là, mais on était dans les bonnes eaux côté date cette fois-ci, donc on t'en tiendra pas rigueur. Mais blague à part, il reste que c'est un circuit, je dirais un circuit un peu vieux de la vieille, un circuit typique qu'on va trouver en Amérique du Nord, un circuit extrêmement rapide où on a vraiment du flow en fait sur le circuit tout le long, il n'y a pas vraiment de coin Mickey Mouse, mais malgré que certains diraient que Moss en est un, là, mais ça, on va laisser les opinions de côté. Mais autrement, c'est un circuit justement qui a quand même accueilli la Formule 1 10 fois. Donc, comme Grand Prix du Canada, ça a été le circuit qui a accueilli la Formule 1 avant que le circuit Gilles Villeneuve entre dans le décor. Et ça reste quand même un circuit qui est, pour tous les fans d'endurance, de GT, est mythique aussi à l'Amérique du Nord. On pense entre autres au Can-Am qui a couru là de nombreuses saisons. L'IMSA qui est là, qui était là également autant il y a 30 ans, le bon vieux temps de la Camel GT, et même en American Le Mans, on était présent. Donc vraiment un circuit qui est connu de tous et pour du GT3. C'est merveilleux comme circuit. Ben, bon timing également là, du côté de cette petite série, puisque la semaine dernière, devrais-je dire, c'était ce qui aurait dû être le Victoria Day Speedfest, donc le fameux week-end là, d'ouverture de saison du côté du Kansas Tire Motorsports Park, qui regroupait l'an dernier ou il y a quelques années le Pirelli World Challenge. On parle de Nissan Micra, on parlait de série GT Continental, Canadian GT3, et évidemment les NASCAR Pinties. Mais dans tout cela, ce qu'il fallait retenir, ben, ça accueillait de nombreuses séries dans différentes classes. Et c'est un tracé qui s'y prête bien, puisqu'il est d'une longueur quand même assez intéressante. Et on va dire assez long pour des voitures de touring. On va penser à des GT5, GT4. Mais pour une voiture aussi performante qu'un GT3, ça reste un bon défi technique, avec beaucoup de changements d'élévation, surtout dans la section, comme tu mentionnais, de Moss, qui est la plus lente du tracé. Mais également, beaucoup de rythme, beaucoup de vitesse et peu d'occasion de dépassement, outre au bout de la ligne droite Andretti. Ce sera vraiment le point d'action à surveiller sur le tracé.
Certains vont vouloir s'essayer aussi dans la portion 10 et 11. Là, on parle vraiment les deux derniers virages, le fameux droite-gauche-droite. Là, positionner bien sa voiture lors du premier droit pour tenter d'être en mesure de venir s'insérer à l'extérieur dans le 10e virage, dans le 9e virage pour avoir l'intérieur au dernier 10e virage. Alors, ça sera intéressant de voir quels pilotes l'on va oser dans le dernier secteur là, du cercle. Voilà, et sur ce, messieurs, on va en profiter pour aller faire un petit tour à bord de la voiture SFTV pour découvrir ce circuit de Mossport. Et nous voici partis pour un tour du circuit de Mossport alors que nous arrivons vers le virage numéro 1, virage que l'on prend en quatrième vitesse. Attention à ne pas aller de l'autre côté du vibreur. Voilà, en montée. Et virage numéro 2 qui se prend en quatrième vitesse, virage en descendant, virage Clayton de son nom, qui mène vers le virage numéro 3, le virage Québec, un autre virage à haute vitesse que l'on prend en troisième vitesse. Voilà l'accélération avant la fin des vibreurs que l'on voyait à votre droite, et on mène vers le virage numéro 4, encore une fois un virage en descente qui nous mène vers la partie la plus mythique du circuit, le virage Moss, virage qui peut nous déporter très facilement vers l'extérieur. Voilà la réaccélération un peu avant la corde ici, et on est à fond jusqu'au virage numéro 8 sur cette longue ligne droite. Andretti, c'est ici que les meilleures tentatives de dépassement pourront se faire. Ils sont ralentis, donc le virage numéro 8 qui signale l'entrée des S. Voilà, on réduit jusqu'à 3e vitesse, virage à gauche, l'entrée des puits est à la droite ici. Un petit dernier virage à droite et voilà la réaccélération. Et c'est ainsi que se complète un tour du circuit de Mossport. Et nous revoici pour cette séance de qualification. Et messieurs, on a une séance assez intéressante. Mac Corrin, finalement deuxième, et Martin Crisp. Qui d'autre pourrait être premier présentement? Mais Martin Crisp avait le meilleur temps en pratique et par près de 3 dixièmes, ben plus de 3 dixièmes sur Mackenzie Corrins. Il était le seul à présenter un 1.15.7 alors que Corrins était en 1.16.0. Très difficile à dire par contre lequel de ses pilotes aurait pu placer un temps. Ben, on peut confirmer du côté de Corrins, c'était un temps en race trim, là, en ajustement de course. Voilà. Donc, alors que là, on est vraiment en mode qualification. Corrins qui a fait son meilleur temps à sa deuxième tentative et a répété l'exploit là, trois tours plus tard avec un 1.15.862, quatre petits millièmes derrière son meilleur temps. Il est par contre en ce moment là, 41, ou du moins mes excuses, les mathématiques qui me lâchent en ce moment. Donc il est 39 millièmes, voilà, derrière Martin Crisp. Il maintient encore une fois un excellent rythme en qualification. Il pourrait surprendre Olivier Bédard au troisième rang devant Andrew Rivings. Deuxième rang maintenant par un millième sur Corrins, messieurs. Wow! Et ça, je crois que ça va vraiment donner le ton pour que cette Corrins course. Peut donner la réplique. Je crois que non, il est en train. Non, il vient de faire un 1.16.0, donc à son premier tour de sortie. Par contre, les pneumatiques seront réchauffées là, pour ce deuxième. Sa deuxième tentative qui s'entame en ce moment. Un tracé quand même assez court, là, il est en 1 minute 15, on va dire 1 minute 16, là, on est très près de... On est tout juste sous la barre des 1.16 en qualification. Donc, il faudrait quand même s'attendre que la circulation va jouer un rôle dans l'épreuve. Et bien évidemment, partir devant avec un tracé qui a peu d'occasions de dépassement pour donner un grand avantage, là. Et Corrins, pour l'instant, qui, bien évidemment, voulait remporter cette épreuve, ben, aura un peu de pain sur la planche là, s'il veut ramener les pendules à l'heure. Bédard connaît quand même très bien ce tracé. Oui, Bédard qui... Bref, un Québécois, on s'entend, va peut-être plus dire « Ok, oui, je connais un peu plus le circuit de Mont-Tremblant », mais on s'entend qu'en Micra, en Formule 1600, Mossport reste un incontournable. On y va deux fois par année, c'est pas trop dans certaines séries. Ce n'est pas pour rien, c'est vraiment un circuit que l'on veut, où on veut être, justement. Et donc, alors que pendant ce temps-là, bien, Corrins, lui, va compléter un tour, attention. Voyons voir, est-ce qu'on peut améliorer de son côté? Une 15-899, c'est pas suffisant, malheureusement, du côté du numéro 42.
4 centièmes derrière son meilleur temps. Et je remarque, Olivier, les 4 meilleurs temps, là, 1.15.819 par Martin Crisp, jusqu'à 1.15.904 par Andrew Rearing. On est 6 dixièmes devant Nathan Block au 5e rang. Par contre, Block derrière lui, ben, il a le reste du peloton. Là, on va jusqu'à la 9e place dans près de 2 dixièmes avec un 1.16.661 pour Bill Swires au 9e rang. Et ça demeure très serré là, dans ce milieu de peloton, au milieu de top 10 là, jusqu'à maintenant dans cette séance de qualification qui ne reste moins que de 4 minutes à disputer. Et je vous dis ça, messieurs, je parlais de Kevin King tout à l'heure. 7e temps présentement. Ouais, Kevin King s'est présenté avec le 5e temps en pratique avec un 1.16.640. Vient d'aller chercher un 1.16.559, donc ça nous démontre que son temps en pratique semblait être en configuration de qualification. Restera à voir s'il peut améliorer. Il est quand même à portée là, de 2 positions dans le moins d'un dixième. On va aller chercher le 5e rang. Nathan Block là, avec un temps sous la barre des 1.16.5. Et on est quand même loin là, de la pole position, près de 7 dixièmes derrière là, les Crisp, Bedard, Corins et Waring. Corins qui l'a malheureusement échappé là, à Moss, a dû relancer. Ce tour-ci ne sera pas évidemment ce qu'il désire. Crisp est toujours en piste. Même chose pour Bedard qui retourne sur le tracé pour une dernière tentative. Et Waring qui, lui, est au plus. Donc, ça va voir comment. Et messieurs, je porte votre attention sur la 13e et la 14e place présentement. Exton et Dumais, on a un 2 millième d'écart également. Exton qui n'avait pas mis de temps de pratique, donc ça nous indique peu là, si c'est son rythme de course. Alors que pour Dominique Dumais, ben, on a passé qu'à 4 centièmes d'améliorer notre meilleur temps de pratique en 1.17.444 qu'il avait fait dans la dernière heure sur le tracé. 1.17.487 lui vaut le 14e rang pour l'instant. Potentiel d'améliorer, certes, là, dans les deux dernières minutes de cette séance. Je veux qu'on revienne de 30 secondes sur Kevin King, et c'est surtout qu'il n'a pas connu vraiment le championnat espéré. Notamment, Montréal avait été contraint à l'abandon. Il avait terminé 12 tours derrière. Il n'a pas été de l'épreuve également de Mid-Ohio. Donc, c'est sûr que pour Kevin King, là, si on peut connaître un bon résultat, surtout à être dans les temps là, face à des gars comme Zachary Vanier, Nathan Block, qui étaient véritablement dans la lutte dans le top 10, notamment Nathan Block, au cours de l'épreuve de Mid-Ohio, je pense que ça va être la bienvenue au niveau de Kevin King. Oui, de son côté, justement, Kevin King, on s'attendait à beaucoup plus de lui lors de cette saison. Et même lui, je pense, s'attendait à plus également. Et dans son cas, encore une fois, je reviens à ce que je mentionnais tout à l'heure. On parle vraiment d'une situation où, justement, c'est l'adaptation face au simulateur, je pense, qui a fait défaut. Et là, bien voilà. Une fois que l'adaptation a été faite, bien, un top 10 présentement en qualification, ça se prend bien. Oui, mine de rien, pour Kevin King, c'est un tracé qu'il connaît bien, comme je le mentionnais la semaine dernière et en début de présentation ce soir. Mossport est un tracé où tous les pilotes devraient se sentir à la maison et sur lequel ils ont placé là, plusieurs temps. Bien évidemment, comme je le mentionnais, peut-être la petite nuance, c'est cette vieille version qui va présenter certaines différences. On n'a pas le pont, par exemple, sur la ligne messieurs, arrière. Messieurs, le 5e temps, égalité avec Block! Oh wow, quel temps qu'elle vient de sortir, Craig Anderson! Oh oh oh! Et si vous vous dites pourquoi est-ce qu'Anderson passe en avant de Block, eh bien c'est Kyle Racing contre la 4e et la 5e, je dirais digit, là, donc la 5e figure, décimale, merci beaucoup. Donc, on est capable de départager à ce niveau-là, ce qu'on ne peut pas voir à l'écran malheureusement, mais le 5e temps, il est légitime là-dessus. On compte les 10 millièmes et les 100 millièmes chez Kyle Racing, alors... C'est extrêmement serré ce soir. Lorsqu'on regarde également le temps d'Olivier Bellard et Mike Correns, on constate véritablement là, que les pilotes sont dans un peloton très serré aujourd'hui. Et je n'ai pas eu la chance de regarder s'il y a eu évolution de la piste là, au courant de la qualification. La piste a débuté avec un usage modéré là, au début de la pratique. Donc certainement quand même beaucoup de gomme là, sur le tracé. Qui aurait peut-être fait en sorte là, qu'on a de la difficulté à répéter les temps de qualification depuis qu'on a fait le 1.15.857 du côté d'Olivier Bédard. Ben, on n'a pas été en mesure de descendre sous la barre des 1.15. Là. Donc, assez surprenant de son côté. Du côté de Mac Corins, ben, on vient d'abandonner alors qu'on a fait deux temps sous les 1.15, un 898-906 et 898 à nos trois dernières tentatives.
sans succès malheureusement pour aller chercher son meilleur temps. Donc, le classement qui devrait, là, à moins d'un changement majeur, le top 4 qui n'est plus en piste. Il y a Bill Swires qui, je crois, est sur un tour de fermeture là, du côté de Moss. Il ne semble pas avoir de vitesse de pointe. Donc, ça va conclure ce qui devrait être notre grille de départ, messieurs. On a Jean-Christophe Tréhant qui est encore sur la piste, messieurs. Voyons voir si on peut améliorer de son côté. C'est une 16. Oh, ça va être compliqué au dernier virage. Je pense qu'on est un peu large. Et non, ça ne sera pas suffisant. Donc, en effet, c'est ce qui va compléter cette séance de qualification. Et Martin Crisp, là, qui après sa bourde monumentale la semaine dernière, eh bien, revient, comme on dit en anglais, with a bang, avec une pole position. Un excellent travail de sa part, Olivier. Il a démontré qu'il avait ce rythme en pratique et que ce n'était pas un temps canon sorti de nulle part. Il a bel et bien réussi à répéter l'exploit lors de la séance de qualification et va s'élancer du premier rang. Une position extrêmement importante à Mossport et sur la première ligne à ses côtés, une autre pas une surprise nécessairement en termes de talent, mais une surprise pour le pilote qui est au premier rang, c'est de voir Olivier Bédard au deuxième rang. Une surprise, oui et non. Encore une fois, comme je mentionnais il y a quelques instants, Olivier Bédard, c'est quand même un habitué de Mossport. On l'a vu régulièrement de ce côté-là. En Micra, en Formule 1600 également. Donc, c'est pas une surprise, surtout en considérant que c'est un pilote qui est très habitué du simulateur. Maintenant, aller battre un Mac Correns, qui présentement, en troisième position, doit pas trop aimer la situation dans laquelle il se trouve, eh bien, c'est sûr que c'est pas l'idéal, évidemment. Par contre, à ses côtés, je mentionne qu'on a Andrew Waring également. Oui, les deux pilotes qui se luttent au championnat des pilotes. Et ça sera intéressant de voir de quelle façon Andrew Waring va effectuer là, le départ. Là. Est-ce qu'on va être agressif ou si on va mettre un petit peu de pression sur Mackenzie sur Mac Correns de la façon à ce qu'il commette une erreur? Bien de voir ce qu'on réserve là, au niveau d'Andrew Waring. Et que dire également, encore une fois, Craig Anderson, le gardien des Sénateurs qui... Waouh! Sixième temps là-dessus, je vais vous avouer que... Messieurs, je m'y attendais pas du tout. Il manque quelques grands noms, on va être d'accord. Donc, les 3e et 4e positions au championnat qui ne sont pas présents, on l'a mentionné il y a quelques instants, donc ils sont à Calabogui cette fin de semaine pour tester leur Nissan Micra. Donc, un peu dommage de ne pas les voir, mais quand même, on profite de ça et on fait une excellente 6e position. Quand même devant des pilotes comme Nathan Block et Zachary Vanier. Donc, on est à un niveau assez intéressant et on bat aussi Kevin King, c'est pas rien là. On va continuer à voir ses grilles de départ. D'ailleurs, 12e place pour Jean-Christophe Tréhant qui, de son côté, n'a pas la fin de semaine qu'il voudrait avoir à Mossport. Mais si on regarde les moins bons temps que l'on voit pour l'instant, Paul Morin à 2 secondes 3. C'est serré, messieurs! Effectivement, mais je pense que pour Jean-Christophe Tréhant, c'est vraiment décevant. Lors des trois premières épreuves, il avait toujours trouvé une façon de se qualifier assez aisément dans le haut du plateau, à l'intérieur du top 10. Là, être incapable de franchir les 10 meilleures positions sur la grille de départ en séance de qualification, c'est sûr qu'on doit être un peu déçu, surtout que la fin d'épreuve à Mid-Ohio n'a pas été celle que l'on escomptait là, du côté du clan Tréhant. Et je parlais de Tréhant, mais... En pole position, Martin Crisp avait bien débuté la saison avec une 4e place à Watkins Glen. Malheureusement pour lui, c'est les deux dernières épreuves avec une fin de 4e du côté du circuit Gilles Villeneuve et une performance au 14e rang. Premier pilote à un tour de retard là, du côté de Watkins Glen. Il est au 12e rang du classement. Donc, aller clore cette saison pour Martin Crisp avec un bon résultat. Peut-être pas nécessairement la victoire puisqu'il va devoir se battre contre un Olivier Bédard et un Mackenzie Correns et même un Andrew Waring qui seront... assez certainement sur ses talons, mais essayer de conclure cette saison avec un top 5 pour Martin Crisp serait une belle façon là, de ramener les pendules à l'heure et de démontrer qu'il avait quand même place là, dans l'élite de cette série. Tout à fait, et on le voit à ce niveau-là, on l'a vu depuis le début de la saison, il est au bon niveau. Maintenant, il doit concrétiser. Et pour revenir à cette lutte-là pour le championnat, si on veut gagner du côté d'Andrew Waring ce championnat, idéalement, il faut finir premier et battre
Correns par 4 positions. Il faudrait que Correns finisse au maximum 5e, et là on aurait une égalité au point et on gagnerait par le nombre de victoires, 2 contre 1. Sinon, eh bien, il faut gagner par, pas 4, mais 5 positions. Donc, toute une commande pour Andrew Waring, mais on a 40 minutes de course ici à Mosport, et 40 minutes, vous le savez, messieurs, c'est long. C'est long. Et dans le championnat-là, on l'a vu qu'en 40 minutes, il peut s'en passer des choses. Les pilotes peuvent facilement commettre des erreurs. Ça a été le cas à Montréal, ça a été le cas également à Mid-Ohio. Alors, ça sera vraiment très intéressant de voir de quelle façon on va gérer, même si c'est un championnat virtuel, la pression de la dernière épreuve de la saison. Voilà, alors que les voitures entrent. Donc, on va sur la sécurité. Voilà, c'est parti pour cette course. 40 minutes de course, excellent départ du côté de Martin Crisp également. Bédard là, qui se fait déjà attaquer par McCorrins par l'intérieur. Et on a Andrew Waring également qui veut passer. Mais pour l'instant, on protège extrêmement bien. Regardez tout le peloton qui défile. Pour l'instant, voilà Correns là qui. Et on va prendre. Non, on laisse la place à Waring présentement qui prend à l'intérieur à Clayton. Et on va même attaquer du côté de Waring pour aller chercher la deuxième place. Présentement, on la veut, cette position du côté du numéro 336. Et entre-temps, Olivier, c'est celui-là qui s'était lancé cinquième. Bill Swires vient de l'échapper à la sortie du virage du numéro 3. Il va repartir derrière complètement le peloton en entier. Oh là là! Et ça, c'est dommage! Là, on sent qu'Andrew Waring sent vraiment qu'il faut qu'il agisse très rapidement dans le début de l'épreuve. Et là, attention, ce Cabana va venir, Léon, t'entends de s'attaquer à Martin Crisp! Oh là, Waring en contact! Et malheureusement, un contact en plus entre Waring et Bédard! Mais Waring qui va en profiter et aller chercher cette première place! Oh, je sais qu'il y a eu un contact. Mais... je suis pas sûr qu'il y ait eu contact entre les deux, messieurs. Attendons voir, mais une chose est certaine, Martin Crisp ne sera pas de bonne humeur après l'épreuve de Mid-Ohio la semaine dernière où il avait eu la visite des contrôleurs, des officiels de la série. Alors, l'espace. Oh, ça semble être un net cas d'Olivier. Et là, on va voir la reprise justement avec Swires. Oui, perte de contrôle dans la portion en descente, donc de la sortie de Clayton. Donc c'est sûr que c'est pas un endroit très facile, on s'entend, messieurs. Mais voyons voir ici. Et oui, en effet, ça sent vraiment comme le netcode, comme tu mentionnes. Je veux quand même revoir la reprise à bord de la voiture de Bédard. On a vraiment une... Ça semble vraiment être un exemple. Je dirais pas un netcode en plus. Je veux revérifier. Mais non, c'est pas sur cette vue-là qu'il faut aller. Voilà, on serait mieux d'aller avec la bonne vue si on recule un petit peu. Messieurs, je pense pas qu'il y ait eu de contact. Là. Il y a eu un contact à cause du netcode, mais je veux dire, à l'exception de ça, là, c'est Olivier ne touche. Et messieurs, va revenir en perdition. Et il y a un gros contact à la sortie. Et puis, quoi, quelle voiture impliquée? Oh là là! Alors, on a revu ça alors qu'on était justement en vitesse. Et on revient avec Vanier justement qui réussit à. T'sais, il revient dans le trou. Puis j'ai vu Nathan Block, je pense, qui est en trou. Oui! Oh! Kevin King également impliqué. Et on va retourner encore une fois en reprise. On venait de sortir de la reprise, messieurs. Et. On va voir ça ici. Donc en sortie du virage, on déporte de l'extérieur du côté de Vanier. Par l'intérieur, pardon. Et oh, perte de contrôle, justement! Et oui, on a perdu le contrôle. On a essayé de ramener la voiture. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, voilà, c'est King là, qui a été, malheureusement, la victime collatérale de cette situation. Et ça, bien... on va s'en vouloir. Et le grand gagnant de la situation, présentement, il est au quatrième rang, messieurs. C'est Craig Anderson, le gardien de but des Sénateurs, qui est maintenant au quatrième rang. Et Luc, te connaissant, s'il faut qu'on l'aille en entrevue, je pense qu'on va faire un petit peu ton fanboy. Pardon? Je te demanderai immédiatement de sortir de cette pièce, s'il vous plaît. Non, malheureusement, c'est moi qui contrôle l'interface ici. C'est vrai. Je peux pas sortir. Alors qu'on est côte à côte, Crisp qui vient de reprendre le cinquième rang face à Craig Daly.
Et Craig Delic n'a pas réussi son dernier aussi, là, qui a été grand bénéficiaire de l'incident. Il avait chuté là, jusqu'au 13e rang. Et il est déjà de retour dans le top 5. Donc, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Puisque Martin Quist vient de regagner le top 5. Et Anderson lui a quand même un très bon coussin. 5 secondes de chaque côté. Derrière Mac Correns et devant Martin Quist. Correns toujours coincé là, au 3e. Vient-il de se payer un dépassement? Non, il est toujours derrière Olivier Bédard. Et Andrew Rearing, qui bien évidemment, lui, n'en demandait pas tant, parti quatrième, se retrouve premier dans sa zone de confort. Lui qui a remporté la dernière épreuve du côté Mid-Ohio de façon très dominante. Et d'ailleurs, l'écart qui est réduit quelque peu par contre entre Bédard et Rearing, on avait une seconde 5 d'écart, on est revenu à une seconde 1 maintenant. Donc, assez intéressant à suivre de ce côté-là. On en a, voilà, donc 5 premières minutes assez mouvementées dans cette course, messieurs. Fallait le dire. On l'avait mentionné en début d'épreuve que ça, on s'attendait à une course mouvementée. On a été servi jusqu'à maintenant. Pas de la façon que je l'attendais, malheureusement. Là. Plusieurs incidents fâcheux. Donc, on va dire, là, par contre, du côté de Vanier, qu'il n'y avait pas grand-chose à faire avec la sortie large. Et ça a malheureusement été très coûteux pour Kevin King et les autres pilotes derrière qui ont été pris là, dans les dommages collatéraux. Par contre, Olivier Bédard là, qui en a plein les rétroviseurs avec Mackenzie Correns. Et Correns ne laissera pas Bédard le ralentir. Là. Il voit que Waring en demande pas autant là, pour s'échapper. Non, le corps qui vient de revenir justement à une seconde 5 entre les deux. Donc, on sent qu'il y a certains endroits sur la piste où on est capable d'aller chercher de la vitesse et d'autres où justement on repère l'avance que l'on avait. Et la seule bataille qui reste encore sur la piste, ce que je vois là, à part celle pour la deuxième place, et bien c'est celle pour la douzième place entre Exton et Block. Et Block qui... a fait un petit peu de déjà-vu là-dessus, mais si on a eu quelques petites difficultés dans l'entrée des S, évidemment, on a réussi à garder la voiture quand même, heureusement pour le numéro 33. Block est impliqué dans l'incident précédemment là, avec Zachary Vanier. Donc, repris l'épreuve, là, loin derrière les meneurs, 53 secondes là, derrière Andrew Rearing qui vient de compléter là, un autre tour. Donc, c'est le sixième tour qu'il va entamer là, après la conclusion de ce dixième virage. Comme on le mentionnait, tracé très court, là, donc on risque de faire beaucoup de chemin sur 40 minutes dans cette épreuve. On approche d'ailleurs de la 10e minute de course. On en a. En fait, je m'excuse, on est 6 minutes 30 de compléter là, ce passage-ci là, pour Andrew Rearing. Oui, monsieur, Correns vient de prendre la deuxième place. Je n'ai pas remarqué, ça devait être sur la ligne de départ-arrivée où Correns a pu compléter la manœuvre et Bédard, tout le travail est à refaire. Bien évidemment, pour Correns, l'objectif le plus court terme sera de distancer Bédard et lui couper l'aspiration pour pouvoir attaquer là, les temps d'Andrew Rearing qui, jusqu'à maintenant, bon, est sur un rythme de croisière assez, on va dire, sécuritaire. Là. Il va quand même rouler dans les 1.16, on va dire entre 1.16.1 qu'il vient de faire et 1.16.5. Alors que bien évidemment, du côté de Correns, on était coincé derrière Bédard. On n'a pas été en mesure de descendre de tous les 1.15. Avec l'air libre devant lui, il devrait être en mesure d'aller chercher un rythme plus intéressant. Oh, et Correns en fait qu'il en a profité. Bédard, on a complètement laissé l'intérieur au bout d'Andretti dans l'entrée. Et monsieur Lou Waring en perdition. Ce n'est pas... est-ce bien le... ce que je crois avoir vu? Oui, Waring qui est au troisième rang, non? Ben oui! Oui! Tout à fait, et encore une fois, on va retourner à la reprise vidéo, messieurs. Vraiment, on en profite beaucoup ce soir. Alors que du côté de Waring, est-ce que c'est à la sortie de Moss, messieurs? Non, on en est bien sorti à Moss. On a tout simplement rentré avec... 9. Exactement, on a rentré avec beaucoup trop de vitesse à la fin de la ligne droite à Andretti. Et Kevin King également, qui vient de l'échapper au virage numéro 4, va relancer sa Mercedes. C'est une épreuve qui va de mal en fil pour le pilote qui était parti au 9e rang. Il se retrouve maintenant un tour derrière les meneurs. Oh, on a réussi à la récupérer, heureusement, sans dommage. Mais le mal est fait là, pour Waring qui avait toutes les chances de son côté pour aller chercher justement ce titre. Mais par contre, c'est Correns vraiment qui doit être content de pouvoir enfin revenir là où il est très confortable, c'est-à-dire en première place. Et messieurs, on vient de communiquer là, du côté des administrateurs de course le contact là, entre Martin Crisp et Olivier Bédard a été revu par les administrateurs
et on juge que c'est un netcode, aucune action de la part des commissaires de course. Et bonne nouvelle, parce qu'à la reprise vidéo, nous également, on avait, j'avais pas remarqué de problème à ce niveau-là. Donc, je dirais une très bonne initiative du côté de l'administration de course. Mais là, tout le travail est à refaire pour Waring, qui se retrouve au troisième rang. Bédard, par contre, qui se laisse pas larguer là, par Matt Corwin, toujours 8 dixième derrière la 42. Et ça va créer à nouveau ce trio de tête qui... Certainement, Mossport va être un tracé là, de limiter le nombre d'erreurs. On pense à Watkins Glen qui est un peu similaire, mais la faute à Watkins Glen est moins coûteuse. Oh, il perd le contrôle du numéro 2 à la sortie du Québec, malheureusement. Et ça, ça profite à Erwin James qui prend la 7e place. Et c'est la numéro 2, eh bien, messieurs, c'est Jean-Christophe Trahan. Maintenant, qui est un tour de retard, par contre, là, je suis pas certain. Erwin James qui est toujours au 8e rang, là, selon la télégraphie. Donc, ben, c'est Dominique Dumais qui vient de perdre cette position-là face à Erwin James. Qui est rendu 10e, en fait, n'a pas pu éviter le contact. Malheureusement, on a pu le voir en direct à la caméra. Et vraiment, Trent était sur la ligne de course, ne fait pas rien faire. Et donc, malheureusement, on a dû percuter la voiture. Et ça, justement, c'est Erwin James et Paul Morin là, qui en profitent allègrement et qui prennent respectivement les 7e et 8e places. Et du coup, Dumais, voilà, on entre au puits. Donc, je pense qu'en plus, on a malheureusement des dommages et on doit donc aller au puits. Et devant, bien, cette lutte-là entre Corinne et Bédard, là. C'est pas terminé, messieurs! Bédard vient d'inscrire son meilleur temps, donné passage, en 1:16.134. Évidemment, il est dans l'aspiration de Corinne, sans pour autant devoir ralentir à l'entrée du virage là, pour lui laisser de l'espace. Donc, tout l'espace nécessaire là, pour réaliser des temps canons. 1:16.2 au passage précédent. Corinne, bien évidemment, lui a repris son air d'aller dans l'air libre et tourne. Dans des temps très intéressants. Donc, lui aussi, de faire son meilleur tour, 1:16.1 et 1:16.2 dans les passages. Cette fois-ci, on vient compléter un 1:16.191 pour Corins. Attention, Swires est dans l'attaque sur Morin, à l'intérieur dans Andretti. Et non, on va revenir derrière Morin, donc on a dû lever le pied du côté de la numéro 4. Mais bien essayé sur la numéro 52 qui va garder la 8e place pour l'instant. Et entre-temps, ça cogne à la porte à la capitale nationale. Craig Anderson qui va commencer à en avoir plein les bras de Martin Crisp qui est de retour dans ses rétroviseurs. Et Crisp, sans le vouloir, est quand même qu'à 12 secondes là, de la tête. Et bon, Anderson avec un 1:17.2 comme meilleur temps n'aura pas trop le choix que de concéder. Mais encore une fois, il a un énorme coussin de 7 secondes devant Craig Daly. Donc... Restera tout de même dans le top 5, là, Anderson, même s'il doit concéder la position à Crisp, là, qui est vraiment un train d'enfer. Il est dans son meilleur temps est dans les 1:16.4. Et là, on peut voir justement l'effet Anderson, son dernier passage en 1:17.2 pour Crisp. Donc, on est quelque peu ralenti. Là. Mais tout de même, Crisp, on n'est pas dans les rythmes des meneurs qui sont dans les 1:16.1. Donc, le 12 secondes sera extrêmement difficile à rattraper, à moins que vraiment on se mette à se battre devant. Et Anderson qui laisse littéralement Martin Crisp passer. Oui, on joue la course du côté d'Anderson. On ne joue pas vraiment pour aller chercher la victoire. Donc, du côté d'Anderson, ça sert à rien vraiment d'aller se battre face à Crisp qui est clairement plus rapide. Aussi bien rester derrière et en profiter. Alors que Swires, voilà, on a enfin dépassé Morin. Je sais pas si on a eu des problèmes du côté de la numéro 52, mais finalement... Et oui, on a le droit à un hors-piste là, du côté. Morin qui vient de chuter, là, il est maintenant classé au 9e rang selon mes infographies. Donc ça vient certainement de lui coûter du temps. Il était en lutte et maintenant 7 secondes là, derrière Bill Swires et Erwin James au 7e et 8e rang respectivement. Et pour revenir à Craig Anderson, ben Anderson nous démontre c'est quoi être un pilote de course sur une épreuve de 40 minutes. Là. On n'est qu'au quart de l'épreuve, on a un bon rythme, on n'a aucune raison sur la terre de se battre avec Martin Crisp. On va tout simplement laisser le pilote filer et profiter d'aspiration pour le peu de temps qu'on pourra le faire là,
derrière la numéro 154. Et une gestion de course intelligente là, de la part du numéro 41 qui donne l'exemple pour ce qu'on doit faire dans ce genre de situation. Oui, pour du côté de Morin, on vient d'aller voir. Donc, c'est dans le fatidique virage Moss. On a été beaucoup trop large. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, malheureusement, ce genre de situation-là, c'est-à-dire qu'on perd, on perd la vitesse, on roule sur ce qui pourrait se dire dans iRacing, dans ce simulateur-ci, de la glace. Donc, c'est extrêmement compliqué, malheureusement, de pouvoir garder le contrôle. Et on a perdu la position ainsi que 7 secondes. Et Olivier, on revient à la bataille pour la tête. Le Bédard qui est dans la demi-seconde derrière Correns. Oui, Waring en plus qui a réduit l'écart à 1 seconde 3 derrière Bédard. On risque de se ramasser avec une lutte à 3 pour la tête dans pas très longtemps si ça continue comme ça. Comme je dis, si ça se met à s'animer devant, bon, Mark Lundquist est 12 secondes derrière Andrew Waring. Même 12 secondes et demie. Donc, l'écart est énorme. Par contre, il reste encore 25 minutes de course. Donc, les mathématiques sont quand même à la faveur. Là. On n'aura pas 28 tours à compléter, malheureusement, encore. Donc, j'essaie de calculer à coup d'une demi-seconde autour, mais ça semble un peu trop faible. Il va falloir gagner plus de temps que cela. Et malheureusement pour Crisp, là, avoir les temps autour de Bédard, Correns et Waring, là, on ne sera pas dans ce rythme, à moins qu'il se passe quelque chose de majeur là, dans le top 3. Donc, malheureusement, l'incident de début de course pour Crisp aurait été coûteux. Dites-vous qu'éventuellement, je vois Waring qui va finir par attaquer. Donc, on est rendu à la seconde maintenant avec Bédard. Donc, attaquer, qu'est-ce que ça veut dire, messieurs? C'est pas compliqué. Ça veut dire qu'on va se ralentir les trois mutuellement et Crisp, dans ce cas-ci, a une chance de pouvoir revenir devant. Par contre, Crisp doit être aussi au courant qu'il y a une lutte au championnat qui se joue présentement entre ces trois-là. Bref, entre deux et demi parce que Bédard est plus ou moins dans le coup considérant ce qu'on voit alors qu'on voit un retard d'attaque qui se fait dépasser. Mais Bédard est dans le coup quand, tout de même. Il suffit juste que les deux qui l'entourent fassent des erreurs et on peut avoir une chance de gagner ce championnat. Bon, je m'excuse, Olivier, mais en ce moment, Martin Crisp a certainement le championnat loin dans sa pensée. Là. Lui, il a une course à compléter et il a encore une fois probablement un peu de vapeur qui lui reste entre les deux oreilles après l'incident en début de course. Donc, on va vouloir regagner le top 3, mais je suis pas mal certain que rendu là, au diable le championnat et on va se battre pour la victoire de l'épreuve. En fait, c'est pas dans ce sens-là. Je voulais dire, Eric, c'est plus dans le sens qu'il y en a deux qui se battent pour le championnat en avant présentement. Donc, est-ce qu'on va s'immiscer dans cette lutte pour le championnat? Pourquoi pas? Si Bédard le fait en ce moment, bah, je ne verrais pas pourquoi Crisp aussi n'hésiterait pas à sauter dans le bain. En effet, mais j'ai bien hâte de voir si on a eu des directives du côté de la direction de course par rapport à ça avant la course. Et j'essaie de voir la différence où est-ce que Correns peut peut-être garder son écart comparativement à Bédard. Et Bédard là, va souvent là, un troisième secteur qui est nettement meilleur à celui qu'effectue Mac Corrin tour après tour. Et Waring au troisième rang, évidemment, avec toute l'aspiration du monde, est en train de sortir des temps canons. Une 16-0-34, s'est payé 3 dixièmes sur ses deux adversaires lors du tour précédent. Donc, Waring, littéralement, avec l'air frais et le fait que Bédard n'a pas nécessairement attaqué le tracé là aussi... fortement qu'il aimerait le faire, là, puisqu'il est à proximité de la voiture de McCorrin, sans pour autant avoir une occasion franche de le dépasser. Ça viendrait nous animer une lutte à 3 là, pour la deuxième moitié de cette épreuve qui s'annonce très très intéressante. Oui, et Bédard, malgré tout, on réussit à maintenir un écart en bas de 5 dixièmes. Donc, il semble que tout l'effet de vortex, de vent et autres, ça n'affecte pas tant cette voiture-là, alors que, du côté de Waring, on est rendu à 1 seconde 2. Je dois encore une fois te corriger, Olivier. On est en GT. Je sais pas de quel vortex tu penses, mais ce n'est pas une monoplace. Là. Les vortex, c'est généré par les ailerons avant de voitures de monoplace pour déplacer l'air à l'extérieur des roues exposées. Les vortex en GT, on oublie ça. Il y a de la traînée. Il y a un trou de vide d'air là, derrière les voitures qui réduit l'appui aérodynamique. Mais il n'y a pas de traînée causée par des vortex. Faut bien faire attention à ne pas mélanger la monoplace. C'est certainement la Formule 1 qui a des appareils comme leurs ailerons avant qui sont conçus pour générer ces vortex. On ne voit pas ça en Formule 2 ou en Formule 3 avec des voitures à plateforme aérodynamique
on va dire spec. Là. Je vais parler plutôt de traîner. Merci de me remettre à l'ordre là-dessus, Eric. C'est pour ça qu'on était sur le panneau, entre autres, pour pouvoir me rattraper quand je dis des énormités. Pas seulement te rattraper, mais également passer un petit enseignement et un petit... le savez-vous que à notre auditoire. Voilà, alors que du côté de... Pendant ce temps-là, bien, Squires sur James, c'est fait, on est maintenant 7e. Et malheureusement, messieurs, McCarron qui se fait bloquer la porte par Dominique Dumais. Est-ce que ça va ralentir suffisamment Corrin? Non. Non, et Bédard, il y a quelques problèmes de connexion aussi. Ben, je viens voir justement, messieurs, une mauvaise nouvelle pour Jean-Christophe Tahan. Lui, c'est une déconnexion, là, malheureusement, du serveur. Donc, certes, il était déjà loin derrière après l'incident précédent. Jean-Christophe Tahan, malheureusement, perte de connexion. Là. Donc, une soirée difficile là, pour le pilote de numéro 2. Oui, qui la semaine dernière avait fait toute une épreuve à Mid-Ohio. On s'en rappellera, avait été 5e jusqu'à la toute fin. Et malheureusement, on a vu ce qui s'est passé. Mais tout de même, on a. C'est un peu dommage de voir que justement cette semaine, bien, on s'est rendu à la mi-course et puis finalement, bien voilà, on a dû abandonner. J'aimerais savoir pour quelle raison, en fait, voir si c'est une déconnexion matérielle ou bien c'est plutôt on a décidé de, voilà, de quitter tout simplement puisque je vois une annonce. C'est matériel. Oh! En bon langage d'RV5, mon cher Olivier, un bon vieux throughput pour Tahan, malheureusement. Là, on perd de connexion involontaire de son côté. Ah, ça c'est dommage. Alors que ça se bat toujours pour la tête, comme vous pouvez voir à l'écran. Paris et Bédard là, qui s'en donne à cœur joie présentement et donne tout un show présentement à la télévision. Et Bébé, entre-temps, qui a réduit l'écart de 2 secondes. Andrew Herring qui est en perdition et vient de... Ça serait course terminée pour Andrew Herring. Oh! Je venais de voir Andrew Herring au puits, mais... Voyons voir... Alors, coup de théâtre pour le championnat, Mac Corrins qui n'a plus de pression, là. En effet, voyons voir, est-ce que, donc, le virage numéro 2... Non, ça serait pas là. C'est au virage Québec, messieurs. Il a tenté de réaccélérer trop vite. Et non, on a été extrêmement large en plus de son côté. Et ça, messieurs, le virage Québec, je veux prendre le temps de le mentionner un petit peu parce que c'est le genre de virage que... J'appelle ça un virage traître. Je m'explique. C'est le genre de virage où, justement, le circuit nous dit « Ah, tu peux réaccélérer là, il n'y a aucun problème. Il se passera rien, il n'y aura pas de problème. » Et dès qu'on réaccélère, qu'est-ce qui arrive? Ah, le devant mort et on se ramasse à devoir finalement aller plus large sans le vouloir. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien voilà, on doit malheureusement... prendre le mur et patiner à l'extérieur et abandonner. C'est un peu dommage, mais de l'autre côté, par contre, il y a un certain Martin Crisp là, qui doit être quand même assez content. Et comme vous mentionnez, bien, Mac Corrins, tout ce qu'il a à faire présentement, c'est ramener la voiture à l'arrivée. Ouais, Crisp qui est maintenant à 16 secondes derrière Bédard, par contre, là, on n'est pas en mesure de réduire cet écart, là, alors que Corrins le numéro 7 d'Olivier Bédard sont largués à l'avant. Bédard qui est à 2 petits dixièmes derrière la numéro 42. Donc, on a dépassé la mi-course là, il y a 2 tours pour Corrins, qui lui, ben, on peut dire championnat en poche. Là, même s'il ne termine pas l'épreuve, je crois qu'avec le peu de participants ce soir, l'écart au point ne serait pas suffisant là, pour le pilote suivant de le rattraper. Donc, une performance splendide dans sa saison pour Corrins, qui tente de la conclure. Là. Je pense que pour Corrins, ce n'est pas seulement d'avoir peut-être remporté le championnat, mais on veut aller chercher cette victoire et ça va être... Il y a encore du pain sur la planche avec un Olivier Bédard qui ne lui laissera pas cette occasion facile de remporter l'épreuve. Non, et je vous rappelle ce qu'il a dit la semaine dernière, messieurs. Il la veut, cette victoire. Certes, de voir un de ses plus grands rivaux cette saison, Andrew Herring, déconnecter et perdre le contrôle. Et ça, pour un pilote réel, ça doit être un peu surprenant puisque
Ce genre d'incident d'Andrew Raring aurait sorti vraisemblablement une voiture de sécurité ou à la limite, bon, je ne crois pas que les voitures de sécurité virtuelles existent dans la majorité des petites séries. On parle vraiment plus des séries européennes. Donc, voiture de sécurité qui aurait littéralement changé la donne là, pour Corinth. Oui, alors qu'on rattrape, voilà, un retardataire. J'ai pas besoin de ces blocs là, qui se fait prendre un tour à son tour et... La prochaine là, sur la liste, c'est Jennifer Grey au 8e rang. Et d'ailleurs, Jennifer Grey qui est au 8e rang, un top 10 pour elle, ce serait splendide dans les circonstances. Elle bénéficie là, des nombreux incidents. On parle de Waring, Vanier, Kevin King qui s'étaient lancés dans le top 10. Donc, en fait, ça va très bien. Par contre, pour Craig Anderson, peut-être des mauvaises nouvelles de son côté. On semble avoir un peu moins de rythme. Craig Daly qui est en approche. Là. On a réussi à réduire l'écart. Daly qui vient de faire son meilleur temps en 1:17.404. Alors que Anderson, on est dans ces temps-là au dernier passage, mais on a quelques 1.18. On vient de faire un 1.19.0 pour Craig Anderson contre le 1.17.3 de Craig Daly. Alors malheureusement pour lui, là, la numéro 181, elle est en charge, même si elle vient de gagner le top 5. On en veut plus du côté de Daly qui est parti au 13e rang. Donc 8 positions gagnées jusqu'à maintenant. Déjà que Craig Daly avait bouffé, là, si on veut. 2 secondes au cours des 3 derniers tours, 1 seconde au cours des 3 derniers tours à Craig Anderson. Là, je pense que il va commencer à se faire un petit peu de temps là, pour Craig Anderson, dans le sens où est-ce que il va commencer à y avoir un petit peu de pression. Oui, en effet, alors que est-ce que je vois que voilà, est-ce qu'on va annoncer le tour de retard dans quelques instants, je crois, messieurs, alors que. Oh, Jennifer Grey qui est rendu 9e maintenant. Grey qui laisse aller les meneurs au bas du virage numéro 2. Évidemment, c'est la seule lutte là, franche en piste. Corinth et Bédard. Et on ne peut enlever le crédit à Olivier Bédard qui n'a jamais lâché le pare-choc avant de son adversaire. Par contre, ben, Corinth qui était derrière là, la numéro 7 là, plus tôt dans l'épreuve. Et évidemment, avec un tracé où est-ce que c'est très difficile de dépasser. Sur côté de Bédard, je pense qu'il va falloir espérer une erreur de Corinth. Et Corinth ne nous a pas habitués à faire ce genre de choses depuis le début de cette courte saison. Non, en effet, un pilote très stable, très méthodique, je pourrais dire. Et ça fait une différence, ça, messieurs, d'être capable justement de garder le rythme, de garder une certaine stabilité, si on veut. On est premier et on mène ce championnat et on se dirige vers justement ce championnat-là de façon très convaincante d'ailleurs. Alors qu'on complète un autre tour avec 13 minutes 10 à faire dans cette épreuve. Épreuve de 40 minutes, on le rappelle à ceux qui étaient. Ceux qui sont à la maison. Mais d'ailleurs, messieurs, je vous porte votre attention sur la 15e position. Andrew Waring qui est revenu sur la piste alors qu'il est Bédard, on attaque par l'intérieur au virage Québec. Et on referme la porte là, du côté de Mac Corinth. Je ne sais pas où est-ce que tu vois cette information, Olivier. Mac Corinth, pour moi, Andrew Waring, pour moi, est toujours dans la ligne des puits. N'a pas retrouvé. Il n'est pas revenu sur la piste, mais serait revenu sur le serveur, par contre. Moi, ça se peut qu'on me donne une fausse information à la... Ah non, c'est bon, c'est une fausse information que j'ai eue, je m'excuse. Il doit y avoir une information pour laquelle il était revenu, donc... Voilà, mais à coup de pas, c'est mon erreur. Alors que encore une fois, là, c'est Bédard qui veut attaquer Corinth, et Corinth fait des signes de... Des signes ouais, de surtout qu'il en est un bloc devant, là. Donc, on signale à bloc, là, de s'enlever du chemin, il bloque, il sort large dans le virage, ne concédera pas la ligne privilégiée à Corinth, ou du moins on va le faire par l'extérieur au virage 1, c'est bien fait tout de même dans les circonstances, on n'a pas ralenti les manœuvres, et Bédard qui est scotché là, à moins de 4 longueurs de voiture derrière Corinth, c'est la température qui doit commencer à augmenter là, dans le cockpit de la numéro 42, même si on le sait que le championnat n'est pas en jeu, on ne voudra pas faire l'erreur qui pourrait profiter à Bédard, qui lui donnerait... l'air d'aller là, alors qu'on approche les 10 dernières minutes de l'épreuve. Non, et d'ailleurs... Est-ce que je viens d'entendre une voiture en perdition, messieurs, et je cherche sur le tracé, pas en mesure de trouver pour l'instant, mais...
D'ailleurs, monsieur, c'est je mentionne les... Paul Morin, je pense. Oh, Morin, ouais, Paul Morin qui vient d'intégrer la ligne des puits. Il était déjà un tour de retard au 12e rang, donc une autre soirée difficile là, pour le pilote de la 50. Oh, attention, Bédard, le long de la ligne droite, Andretti. Si on a une chance, c'est là. Oh, et il va falloir y aller par l'extérieur. On y va par l'extérieur, ce côté de Bédard. Justement, est-ce qu'on peut faire le geste? Oui, Bédard qui prend les devants face à Mac Correns. Mais Correns, j'ai l'impression qu'il a levé le pied un peu au freinage. On ne voulait pas rentrer côte à côte dans cette section. On a plutôt préféré laisser filer Bédard et on sait maintenant que on aura l'occasion d'avoir la dernière tentative. Mais nouveau malheur, Olivier Bédard, avec un peu plus de 10 minutes à faire. Et pendant ce temps-là, eh bien Anderson qui est sous attaque de Craig Daly présentement. La lutte des Craig qui se fait aller. Et on doit manœuvrer à travers le retardateur en plus, donc... Là, je vois Dominique Dumay là, qui va... On va devoir laisser passer Anderson là-dessus. On est dans les S en plus. Mais, endroit assez compliqué là, pour laisser passer des pilotes. C'est névragique. Dumay qui va bien faire l'avant de virage numéro 1. Ça va simplement lever le pied. Anderson qui est passé. Daly qui va suivre. Et pour Anderson, c'est sûr qu'on va vouloir garder cette quatrième place-là. Par contre, Daly qui a un très bon rythme jusqu'à maintenant dans les 10 derniers tours. Et pour Anderson, bon, on ne serait pas gêné d'aller chercher un top 5 non plus. Là, donc, encore une fois, une question de gestion de course. Mais on va attendre certainement que Daly ait l'opportunité là, pour concéder cette cinquième place. Cette quatrième place, mes excuses. Non, et du côté d'Anderson, présentement, justement, comme tu mentionnes, on ne lâche pas prise. Et l'autre qui ne lâche pas prise également, c'est Olivier Bédard là, qui est sous attaque constante de Correns qui veut reprendre sa première place. Ben, Correns a le bon jeu. Il peut attendre l'erreur de Bédard. Comme il peut attendre le dernier tour pour terminer le travail là, sans redonner l'occasion à Bédard de le rejoindre à nouveau. Donc, sans le vouloir, Mac Correns s'est placé dans le meilleur endroit pour contrôler l'épreuve sans avoir à subir la pression. Et c'est plutôt lui là, qui va jouer le rôle de l'agresseur dans les 10 dernières minutes de l'épreuve. Bédard, qui n'est pas un petit client, par contre, lui, il est habitué d'avoir... des voitures dans le rétroviseur avec ses nombreuses victoires en Coupe Micra. Donc, si on voulait du défi du côté de McCorrens pour cette victoire, ben, on est servi. Et là, je vous remarquerai, messieurs, au prochain passage, Correns commence à sortir très large lors du premier virage. Et Correns qui, encore une fois, attaque cette fois la même manœuvre que Bédard lui a tenté il y a deux tours. Et Correns par l'extérieur à son Bédard! Tour. Oh, on a posé du côté de la 42 et on est toujours derrière Bédard, même si on a mis notre museau en avant pendant un petit instant. Et Correns qui a concédé la dernière fois à Bédard et ne se fait pas offrir la même faveur. On vient de se rendre compte que on va avoir du travail à faire et malheureusement pour Correns, c'est pas mal la seule occasion de dépassement là, au bout de la ligne droite Andretti. Et je suis pas mal certain que Bédard va protéger l'intérieur à tout coup. Donc, va falloir réussir cette manœuvre-là du côté de Correns. Et s'il faut le faire, il faudra peut-être le tenter avant le dernier tour de l'épreuve. Alors qu'on est large du côté de Bédard, par contre, au virage Québec. Oui, Correns qui en profite, n'en demande pas tant pour se pointer à l'intérieur du virage Québec, justement. Par contre, par l'extérieur, dans le virage 4, ça va être un peu compliqué. Voilà, on doit relever le pied. Ça passe pas à deux, malheureusement, dans ce virage-là. Et Bédard là, qui en profite tout bonnement pour reprendre sa position de tête. Oh, je pensais que Correns allait plonger, oser rentrer à deux de large dans ce virage-là. Correns qui a bon jeu, Luc, là, de jouer l'agresseur, mais également de contrôler l'agression. Encore une fois, tente l'extérieur au bout d'Andretti. Et Bédard qui va... Oh, on va... Je sais pas si on a bougé sous le freinage là-dessus du côté de Bédard, mais on est revenu sur la ligne extérieure, empêchant Correns justement de pouvoir faire le geste. Et d'ailleurs, messieurs, je vais faire un petit moment... je dirais petit moment people du jour. Je suis allé voir sur la page de Correns qui, encore une fois, attaque par l'intérieur au virage numéro 1. Oh, attention. Et vous remarquerez bien, sur sa voiture, il y a un petit peu de vert sur sa voiture. Et ce n'est pas anodin, on a voulu faire hommage aux couleurs traditionnelles de course du Canada, qui sont le vert, avec une ligne blanche sur le devant. Très bien fait de sa part. On voit un peu que
le dessus ne semble pas totalement noir. Là. On voit vraiment que ça semble être un vert foncé qui se rapproche du noir. Oui, et un vert foncé qui, pour la petite histoire, pourquoi est-ce que le Canada a cette couleur traditionnelle-là? C'est parce que le Canada étant un ancien dominion britannique, eh bien, les couleurs de course de la Grande-Bretagne étaient le vert. Donc, étant dominion britannique, on a fait 1 plus 1 égale 2, nos couleurs sont vertes. Alors qu'une fois, encore une fois, on attaque par l'extérieur là, du côté de Corinth. Et on est côte à côte. Corinth, encore une fois en avant. Il faut freiner plus loin. Côte à côte à travers l'entrée des S et on va dépasser. Oui, on a réussi. Et on reprend la tête du côté du Néo 42, McCorrins. Oh, attention, on rate le dernier virage du côté de Corinth. Oh, ça ouvre la porte du côté de Bédard. On protège la position Bédard qui reprend à l'intérieur et Corinth qui va réussir à freiner plus loin et à garder sa position de tête avec 5 minutes 22 à faire dans cette course. Ces deux-là nous offrent tout un spectacle, mesdames et messieurs. Vraiment du haut calibre de pilotage. Certes, c'est du 1 contre 1, mais Bédard et Corinth, là, on va se livrer la lutte là, jusqu'à la toute fin de l'épreuve. Et Corinth, qui n'a pas attendu, comme je le prévoyais, la fin de l'épreuve, a reçu trouver l'occasion de reprendre la position. Et là, tout le travail est à refaire pour Bédard, qui aura-t-il trop sacrifié ses pneumatiques là, pour tenter de défendre? Et pendant ce temps-là, il y a toujours Anderson et Daly. Là, ce n'est pas terminé pour le pied de podium, messieurs. Ça fait le pied de podium en ce moment, parti à Martin Crisp. Donc, oui, le pied du podium, oui, mes excuses, je pensais à la troisième place, mais et Anderson qui... Pourra-t-il livrer lutte là, alors que Daly a vraiment un excellent rythme derrière lui? Il a simplement collé là, une demi-seconde au dernier tour. Oh, Anderson qui a fermé la porte à Daly là, au début du présent tour. Sinon, Daly passait devant Anderson. Oh, et messieurs, est-ce que j'aurais un coup de théâtre? Olivier Bédard au puits! Est-ce qu'on a besoin d'un arrêt mandatoire alors qu'on est à la 35e minute de l'épreuve? Il n'y a pas d'arrêt mandatoire dans cette série-là, Eric. Alors vraiment, c'est un coup de théâtre qu'on donne, qu'on vient d'offrir ici. On ouvre la porte toute grande à McCorrins pour la victoire. Et du côté de Bédard, là, est-ce que... J'essaie d'aller vérifier du côté de mes informations. L'arrêt est très court, donc ça sent qu'on a manqué d'essence là, du côté de la numéro 7 pour terminer l'épreuve. Oh! On avait le droit à une belle lutte avec McKenzie, avec McCorrins en plus. Oh, qu'on va s'en vouloir. Et ça, c'est dommage. Et par contre, c'est Crisp là, qui doit être content de voir ça présentement. Deuxième place pour Martin Crisp. Bon. Après tout ce qui s'était déroulé là, au début de la course, ben, si je ne me trompe, l'écart était suffisant là, du côté entre Bédard et Anderson. Olivier Bédard qui a reçu sortir. Attention, pilote en partition, c'est Block Amos et Bédard qui arrivait à toute allure. Là. Et heureusement pour lui, Block n'a pas réintégré le tracé. Et je vérifie de mon côté, est-ce que Anderson. Oui, on est devant. On est toujours au troisième rang du côté de Bédard. Même si évidemment la lutte là, pour la position de tête, on va pouvoir dire goodbye, sweetie pie à un potentiel de victoire pour Bédard. Bon, on va quand même ramener un podium à la maison potentiellement. Là. Et il reste 3 tours de piste à faire, messieurs, avec le dernier passage de McCorrins. Et Daly, toujours à l'attaque d'Anderson. Est-ce qu'on va enfin réussir à pouvoir faire le dépassement? Alors que je crois, messieurs, avoir trouvé alors qu'on déborde un petit peu du côté d'Anderson. Attention! Oh, je pense qu'Anderson vient de se faire prendre. Là. Daly va probablement avoir une meilleure sortie. Anderson qui a bloqué l'intérieur au dernier virage et Daly qui l'a suivi au lieu de prendre la ligne de course traditionnelle. Je pense là-dessus, le numéro 5 à travailleur aurait été mieux placé de laisser Anderson jouer son propre jeu et le croiser en réaccélération. Et alors, surtout, j'allais mentionner, messieurs, que Anderson semblait prendre mieux cette section-là que Daly et c'est ce qui expliquait pourquoi on était capable de rester devant. Hein. On me fait mentir, encore une fois, Commentator's Curse qui... fait son apparition. On peut voir qu'un gardien de but, ça sait défendre une position, messieurs, et Anderson nous en fait une belle leçon. Est-ce qu'on aura, par contre, l'occasion, encore une fois, du côté de Daly, d'attaquer là, la numéro 41? Certes, on est scotché à Moss et la réaccélération va devoir être critique pour Daly. Est-ce que la différence de voiture, Anderson qui est en Audi contre la Mercedes de Daly, qui ne semble pas avoir le meilleur...
La meilleure réaccélération là, en vue de la longue ligne droite. Je pense que c'est une question de réglage, Eric. On doit avoir un réglage beaucoup plus aérodynamique, ou du moins l'aileron avec un angle moins gros du côté d'Anderson, ce qui fait que sur la longue ligne droite, on est capable de distancer Daly malgré l'aspiration. Oh, là, je pense que Daly va avoir une bonne sortie encore. Non, on fait très bien l'entrée des S, mais on est incapable de compléter cette séquence-là au niveau de Daly. Et Mac Corins qui vient possiblement prendre l'avant-dernier tour de piste, donc ça devrait être drapeau blanc pour ce dernier au prochain passage. 43 secondes, dire? Messieurs, donc on serait au dernier tour là, du côté de Corins en ce cas-là. Alors que... On m'a indiqué 38-24. Voilà. Voilà, donc il reste un autre tour en fait. Donc, voilà, drapeau blanc à ce passage-ci. Donc, un dernier tour de piste là, pour Mac Corins qui pourra confirmer ce championnat et de la façon qu'il voulait faire avec potentiellement là, une victoire du côté du Canadian Tire Motorsports Park. Une victoire de façon dominante. Il est 20 secondes là, devant la deuxième place. Par contre, la lutte qui nous intéresse pour l'instant, ben, est-ce que Craig Anderson pourra résister et aller chercher son meilleur résultat de la saison avec une quatrième? Ça serait le meilleur résultat pour Craig Daly également. Là. Oui, donc dans leur cas, il faut faire attention justement. Est-ce qu'on joue la position ou on joue sa position finale? Là, la question se pose. Alors qu'encore une fois, Anderson qui réussit à bien entrer. On sent que le derrière veut se dérober aussi d'Anderson dans cette portion-là. Oh, est-ce qu'il a pris la ligne traditionnelle? Est-ce qu'il aura une meilleure vitesse d'accélération? Je pense que oui! Oui, Daly, attention, est-ce qu'on ouvre la porte à l'extérieur? Ouf, non, elle se referme. Et on va tenter de croiser pareil. Là, Anderson, on a un tour à devoir rester. Oh, alors petit qu'on... contact! Oui, on joue en plus des forts avant du côté... du côté de Daly. Alors que Daly est par l'extérieur, au virage Québec. Est-ce qu'on peut être capable de le faire? Et pendant cela, monsieur Mac Corins qui est en train de conclure cette saison de rêve. Premier, deuxième et premier. Ça sera victoire et championnat pour la numéro 42. Mackenzie Corins remporte la Canadian E-Racing Series. Mais attention, Daly tente de prendre l'intérieur à Moss. Et on est deux de large à la sortie de Moss. Et finalement, c'est Anderson qui va ressortir en avant. On entend la longue ligne droite Andretti. Est-ce que Daly sera en mesure de se rapprocher? Et c'est là ou jamais du côté de Daly. Chris Bébédard confirmé deuxième et troisième, mais la lutte qui se fait rage, placer la quatrième. Oh, je pense que Daly est trop loin. Oui, ça a été beaucoup mieux pris par Anderson là, cette fois-ci. Est-ce qu'on va tenter un... Non, pas de mouvement au-dessus de la part de Daly. On prend trajectoire normale. On est beaucoup trop loin pour tenter. Et messieurs, Craig Anderson qui finit quatrième! Wow! Quelle performance de sa part et surtout quelle clinique de défense en fin d'épreuve. Il a reçu résister à la pression et ce malgré le fait que son opposant était dans le pare-choc arrière au dernier passage. Et on va terminer au quatrième rang. Ben, les deux pilotes, là, je pense, ont livré une excellente performance. Et Anderson qui se fait saluer là, par Zachary Vanier en fin d'épreuve pour une belle quatrième place de son côté. Et messieurs, on aurait eu de l'action mur à mur là, dans cette épreuve. Un 40 minutes très bien garni du côté de CTMP. En effet, ça a vraiment été une épreuve où est-ce qu'on a eu... On a eu par moment une belle lutte à trois pour la position de tête avec Olivier Bédard qui était dans le trio avec Mac Corins et malheureusement... celui qui était deuxième au championnat, Andrew Waring, malheureusement sorti trop large au virage Québec. Par la suite, les deux, Bédard et Corins, ont continué à livrer de bonnes batailles. Et finalement, au milieu de peloton, là, dans le haut du milieu de peloton, là, si on veut, une belle lutte là, entre Craig Anderson et Craig Daly. Là, ça, là, c'était un très beau duel tour après tour entre ces deux-là. Oui, d'ailleurs, profitons-en pour aller voir ce podium. Donc voilà, Mac Corins, deuxième victoire de la saison. Quatrième podium. On avait jamais fini plus bas que deuxième de son côté. Martin Crisp, après ce qu'on a vu la semaine dernière, une belle deuxième place de son côté. Et Olivier Bédard, si j'ai à dire une chose, un mot ou deux mots plutôt pour décrire sa course, crève-cœur. Vraiment, qu'on n'ait pas réussi. Qu'après, on soit battu tout le long avec Mac Corins et que finalement, à cause d'une erreur stratégique, et j'ai hâte de l'entendre en entrevue d'ailleurs, voir si c'est vraiment une erreur stratégique. Est-ce qu'on a mal calculé la quantité d'essence ou est-ce que
Bref, la question se pose réellement. J'ai hâte de voir sa réponse. Mais quand même, on finit troisième, mais c'est un podium doux amer là, du côté de Bédard. Ben, c'est décevant parce que on s'est retrouvé le bec à l'eau à cause qu'on a tout simplement on a mis la mauvaise quantité d'essence dans la voiture et ça, c'est décevant pour Olivier Bédard. Surtout que normalement, avec les pratiques qui sont offertes, le temps de pratique, on doit au moins calculer la consommation moyenne par tour que la voiture donne. Et là, de voir qu'on a eu un raté à ce niveau-là, c'est très décevant à son égard. Je regardais, messieurs, le temps le plus rapide en piste, c'est Andrew Rearing avec un 16-0-14. Bédard et Corins, on parle d'un 1.16.051 pour Corins et un 1.16.058 pour Bédard. Donc, ils étaient dans les mêmes temps. Et on parle de la déception d'Olivier Bédard. Mais à mes yeux, Andrew Rearing, malheureusement, sa perte de contrôle. Il était dans le coup et aurait pu se joindre à cette lutte-là, lui également. Donc, certes, un podium crève-cœur pour Bédard, mais on est encore sur le podium. Effectivement, ça, je pense que c'est la déception de la soirée, Eric. Je vais te concéder le point. Écoutez, tout d'abord, on fait vraiment une séance de qualification qui, on va se le dire, a été quand même très bien fait. On se retrouve, on va se positionner côte à côte à McKenzie, à McCarron sur la deuxième grille, sur la deuxième ligne de départ, pardon. Mais par la suite aussi, on attaque très rapidement au départ et on va chercher la position de McCarron. Donc, on avait déjà une première partie des devoirs de fait. Et malheureusement, lorsqu'on a tenté, si on veut, de venir récupérer après notre erreur, là, au bout de la section de la ligne droite d'Andretti, c'est à ce moment-là que le château s'est littéralement écroulé pour Andrew Ware. Et Waring, justement, qui l'a perdu en plus, qui l'a échappé au pire endroit possible sur le circuit, un endroit où justement on a tendance à l'échapper malheureusement. C'est dommage à dire, mais le virage Québec est probablement un des pires virages, je dirais, sur n'importe quelle piste au monde. Et ça fait bizarre à dire, mais c'est un virage qui nous invite à tant de choses, mais qui au final... C'est comme une soirée en tête-à-tête qui finit mal. On se fait des attentes et finalement, oups, ça finit mal. Il n'y a pas grand-chose à faire malheureusement dans ce genre de situation-là, à part se dire, ben regarde, qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois pour améliorer et ne pas faire cette bourde-là. Et malheureusement, eh bien Waring a été pris au piège dans cette situation-là. Alors qu'on attend toujours, pour les entrevues d'après-course, évidemment, entrevues d'après-course qui... sont toujours au rendez-vous dans ces séries-ci. Et comme je dis, j'ai vraiment hâte d'entendre en fait nos trois sur le podium. Comment ils ont trouvé leur épreuve. Et surtout, McCarron. Je vais faire un retour vraiment, je vous le dis déjà tout de suite. Je vais faire un retour sur ce qu'il nous a dit la semaine dernière. Où il nous avait dit qu'il était écœuré de finir deuxième. Et il voulait gagner cette course. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien voilà, il est allé gagner cette victoire. Pas de façon très facile, jusqu'à l'arrêt au puits inopportun d'Olivier Bédard, mais on a réussi quand même à aller chercher cette victoire que l'on voulait tant depuis deux courses en fait, et gagner donc ce championnat de brillante façon de son côté. J'espère qu'on ne va pas voir cette victoire comme un peu... c'est pas une victoire dégonflée, malgré le fait que Bédard a eu des difficultés. Que Waring a eu des difficultés, on avait quand même le rythme, on avait quand même tout ce qu'il nous fallait là, pour réussir l'exploit, alors qu'on va être en mesure de débuter nos entrevues d'après-course. Oui, donc nous avons Mac Corrins avec nous pour cette entrevue. So Mac, I remember last week you were saying that you wanted to have like to finish this off with a win. Well, you got it this time, but not in a very easy fashion. How do you rate your race? Well, it's never a perfect race. It was a fun race for sure. Kind of benefited off the issues of some others, but had a good race with Olivier. Hard racing, which is good. Happy with my pass. Yeah, all around a good race. We saw you maybe slow down a little bit when Olivier was just beside you and on the Andretti straight.
Did you scare a little bit to go side by side before Moss? Because we saw you that you got the speed to take the outside of the turn just before Moss. Do you wanted to go side by side somewhere, or you were a little bit more careful? You wanted to be a little bit more careful with the car. I wanted to be careful. There's no point trying to stick a pass there because he can just draft right back by me on the straightaway again. So I figured discretion is the better part of valor. Back off, let him have it, and pass him somewhere else. And well, I guess that's what I did. So overall, it's a first, second, and a first place performance for you this season. Pretty much dream as it come. This opportunity we've had to race on the simulator has given us this dream to see multiple drivers from multiple series come up and race on very interesting and intricate racetrack. Mossport has his own personality, its own flavor, even though I think it's an older version. I wish I racing at the newer one. And as more of a philosophy question, is there a dream place you would like to race on a virtual side with these guys, with that group, that would you would feel that would be an interesting opportunity to have and make it not only a track on iRacing, but maybe a track that iRacing doesn't even have? That's an interesting question. I'd like to say Bathurst. I know iRacing has that. It's my favorite track outside of Canada, even though I've never driven it for real. Think that would be a good one. The Nürburgring is always fun. Maybe something crazy on like Daytona or Talladega, like full-on draft fest. I don't know. I think anything with the group of people we have here would be fun and competitive, and that's the main thing that I come here for, and I think I speak for them as well. That's why they'd come out. Yeah, interesting though that you're mentioning Talladega, especially with those GT3s, because as we know, they're not really meant to be raced on ovals, but would you actually like to race these cars or any kind of GTs on super speedways like Talladega or Daytona? Oh, I thought you just meant any car in general. Okay. well, I don't know about that. It would be interesting for sure. yeah, I don't know how that would go, but it would be interesting to see. Hey, yeah, we mentioned dreams, so sky's the limit, right? Something like that. Yeah, so to finish this up, do you have anyone to thank either for your race or even your championship? Because we didn't mention it, but you actually, with this race, you've won the championship as well. Yeah, thank you. I'd like to thank Marc-André and Apex B2R for hosting the series. I think they did a pretty good job. Can only go up from here. Thank everybody that came out. Thank my dad and my good friend Scott for helping with the setup, and of course Rod Simsport, the team I drive for here on iRacing, and you guys for bringing the action to our French viewers. Well, thank you, Mac, and once again congratulations for your championship. Thanks guys, it's been fun. Donc c'était Mac Corrins qui donc nous mentionnait dirait un peu en début de course en fait de son côté. Bref, très content d'avoir gagné cette course, d'avoir gagné ce championnat. Également, un peu, on lui a demandé également quel genre de piste il aimerait faire avec le groupe qu'on a pu suivre là, tout au long de ce mois de mai. Et quand même assez surprenant, mentionner Daytona et Talladega. Donc, Eric, toi, c'est sûr, en entendant ça, t'as dû avoir un petit... je dirais pas un pincement au cœur, c'est plutôt le contraire, avoir une petite étincelle en disant « Ah! Peut-être du stocker la prochaine saison qu'on va diffuser! » Ben, il avait mangé Bathurst avant, et ça m'a moins surpris. Ce sont des pilotes qui aiment le défi, qui aiment d'avoir une belle course avec des pilotes de haut calibre. Bathurst, par contre, c'est ouf, ouf, tout un défi. Oui, et on l'a vu d'ailleurs, on le rappellera la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, en EGT3 Challenge, et on s'entend que les GT3 l'utilisent pour vrai, cette voiture, donc vraiment... C'est tout un défi là, pour ces pilotes. Également, nous avons avec nous, donc, pour continuer ces entrevues d'après-course, donc Martin Crisp, qui a fini deuxième. So, Martin, you had the pace. Hey, how you doing? Yeah, I was going to ask you how you're doing, actually.
Oh, I'm doing good. You know, look, although I'm from Toronto, I live in Australia. And as a result of that, I run into this netcode issue a fair amount because the servers are in North America. Mm-hmm. And so the ping time between here and there is just a bit lengthy. So whenever we get to close quarters racing, netcode can happen quite often. So, you know, no hard feelings towards Olivier. He did nothing wrong. Excuse me. And, you know, just it is what it is. That's how it goes. Yeah, I was going to mention, because you had the pace. I mean, you had a pretty convincing pole position for this last race of the season. And, I mean, those kind of events are unfortunate. But as you said, I mean, they're part of the simulator, sadly. It's part of online racing. And it's a bit sad to see this happen. But at the same time, great recovery. Second place there. Yeah, I got lucky. I got very lucky. You know, I was really kind of destined to be in fourth, but third and second had some issues. I'm not exactly sure what they were, but that's the only reason why I'm on the podium. Yeah, it was good fun. And congrats to Mac, by the way, for winning the championship. He certainly deserves that. Very fast in every round, and so congrats to him. Are you considering that this race is a redemption if we're looking back just earlier that last week with the few incidents that you were involving in? Are you considering this race like a redemption? Well, you know, look, you know, racing has lots of ups and downs, and I'm just happy to have, you know, to finish the season on a positive note. That just goes with the territory. You know, I race in a couple of different leagues, and this one's a lot of fun. And, you know, Mark does a lot of work behind the scenes to put this on and his team. So congrats to them for their first season. And I look forward to participating again. It's good fun. It's a great continuity of these things. I've asked Matt just earlier if he had a dream place he would like to race with this group. Due to the fact that virtual allows us to have these multiple drivers in these multiple series to race on the virtual land. And Mac actually liked the Bathurst as a place he would love to go for. No, you're in Australia right now, I'm sure there's something you would agree on. Oh, it's a fantastic track. I've been fortunate enough to drive with my track car in real life a couple times, and it's just phenomenal track. And it's definitely for keeps. It's a pretty serious track. With the walls along at the top of the mountain are pretty intense, especially Skyline. If you get that wrong, you're going to hit a wall. But it's intense, fun track. Certainly. You know, people here in Australia are very proud of that track, very, very proud of that track for good reason. And it's an international draw card for sure. My favorite track to drive is actually Road America. That's the one I just seem to enjoy the flow of the most. You know, Mossport, or sorry, Canadian Tire Motorsport Park is my emotional favorite because that's where I've done most of my driving. But probably Road America is my favorite, and Bathurst is probably number two. I mean, I'm sure a lot of people will very much disagree with me with that. And all my mates here in Australia are going to yell at me, but that's my preference. Sorry, it's just really funny. To finish up this interview, as you know, we always asked if you want to thank anyone that contributed to your performance tonight. So, absolutely. Thank you. I want to thank a couple sponsors. So Track Racer, they provide us with the rigs. Very good product, and very much enjoy them. They're like 80-20 aluminum profile rigs, very sturdy. I'd like to thank LearnSetup.com, which is actually my company. We provide setups and setup knowledge. And RC Maker, which is actually an RC car company, which we're working on some products for sim racing. So I just want to thank everybody. But mostly I want to thank you guys for putting on a great show, and Mark for putting on the series. And again, congrats to Mac for an awesome job this season. Well, thank you, Martin. And I mean, we're not putting on the show. You guys are putting on the show and helping us just narrate it. So I have to thank you guys for providing us this high quality show on the track. I just wish I could have been in that battle. It looked like Olivier and Mac were having a fun battle up front. That's the only regret I have of today, but it is what it is. Yeah, but still managed a recovery, as I said. So thanks, Martin, and congrats for your second place. Thank you, sir. I appreciate it. All right, enjoy your day. Congrats for your best finish of the season.
Merci, au revoir. That's as good as my French is. I'm sorry. The Canadian education system has let me down. I'm just not good at it. But anyway, I'm sorry. That's okay. Really appreciate it. All right. Have a nice day, Martin. Bye. Bye now. Bye, Martin. Donc, pour traduire rapidement, Martin Crisp qui dit donc n'en veut pas à Olivier Bédard pour qu'est-ce qui s'est passé donc dans les premiers tours, c'est que c'est un netcode, donc un problème de connexion Internet. Il explique qu'il est en Australie, donc c'est sûr que Australie avec les serveurs qui sont en Amérique du Nord, malheureusement, ce genre d'incidents peuvent arriver et c'est arrivé cette fois-ci. Donc, malheureusement, on s'est retrouvé très loin, mais quand même, on a réussi à remonter. A dit également qu'il était donc il a été chanceux dans les circonstances parce que a su profiter des incidents qu'il y a eu devant lui et profiter et revenir donc en deuxième place pour terminer cette course. Donc quand même très satisfait de sa performance. Également, encore une fois, dit que Bathurst, c'est une de ses pistes préférées étant en Australie, mais si j'ai bien compris, messieurs, sa piste préférée reste Mossport, c'est bien ça? Sa piste émotionnelle, donc le coup de cœur émotionnel, c'est à Mossport, mais celle qu'il a élue comme étant la piste qu'il aimerait voir avec ce groupe, c'est Road America, qui, oui, bien honnêtement, plus un, j'aimerais vraiment voir ce groupe à Road America. Oui, moi aussi, ça reste un circuit un peu différent des quatre que l'on a vus, mais en effet, j'aurais vraiment apprécié également voir ça de mon côté. Donc, on a également l'entrevue, donc celui qui a fini troisième dans cette course, et j'ai nommé Olivier Bédard. Rebienvenue sur notre plateau, Olivier. Salut les gars. La première question que j'ai à te poser, c'est sûr, cela va venir de, je dirais, de 1,6 km pour parler en système métrique. Est-ce que tu as manqué d'essence à quelque part dans la course? Absolument. J'ai réalisé 2-3 tours après avoir dépassé Mac qu'effectivement, je n'allais pas terminer la course. Il manquait, je pense que j'ai rajouté 8 litres juste pour être certain, splash and go à la fin. Mais donc, c'est pour ça qu'après 2-3 tours, je ne m'en rappelle plus exactement. Mais quand j'ai réalisé ça, j'ai tout de suite mis la voiture sur la map 1 ou 3, là, celui qui est fuel saving. Pour essayer de sauver de l'essence et de finir la course. Puis tout en essayant de défendre ma position, je savais que Mac était rapide, mais je savais que si j'étais en avant, j'avais peut-être une chance, mais malheureusement, je savais que j'allais manquer d'essence. Puis il a réussi finalement à me passer après quelques tours. Donc, j'ai pas eu le choix, rentrer au puits. Puis je suis quand même content d'avoir terminé troisième. Mais ce que je suis surtout content, c'est la bagarre qu'on a eue, peu importe la position. J'ai tellement eu le plaisir de me battre avec Mac. Mac, c'est un bon pilote, donc c'était vraiment agréable. Est-ce que tu étais à l'aise aussi de te retrouver vraiment dans une lutte de championnat entre Andrew Waring et Mac Correns à un certain point? Et j'imagine que ça ne devait pas être évident non plus parce que tu ne veux pas nécessairement sortir un des deux autres pilotes, là. Honnêtement, j'avais aucune idée du classement. Je savais que ces deux pilotes-là, c'était des très bons pilotes pour avoir les avoir observés, là, les résultats dans les courses à travers le championnat. Mais j'avais aucune idée qu'il y avait un enjeu au championnat. Donc, pour moi, j'ai toujours, je coursais de la même façon que j'aurais coursé avec tout le monde. Puis en disant ça, je sais que ça paraît bizarre avec ce qui est arrivé avec Martin dans le premier tour. Mais c'est vraiment, je pense que je me suis excusé 3 fois au cours de la course. Là, c'était serré, mais comme j'ai regardé le replay, puis comme Kevin, le race official, nous a dit, il y avait eu un netcode. Même à ça, on était proche. Donc, je me sentais mal pour Martin parce que ça aurait été vraiment une belle bagarre. Mais au niveau de l'enjeu entre Andrew et Mac, non, je coursais de la même façon que j'aurais coursé, étant moi-même avec eux au championnat ou pas. Ben, si ça peut te rassurer, Martin nous l'a confirmé plus tôt que lui, c'était vraiment un netcode de son côté, comme qu'il est en Australie en ce moment. Ben, il est un peu habitué malheureusement à ce genre de circonstances dans le monde virtuel. Et j'avais ouvert une parenthèse avec les autres pilotes en entrevue précédemment sur cette belle opportunité qu'on a eue dans le monde virtuel de placer plusieurs pilotes de différentes séries, de différents backgrounds dans une, on va dire, courte série. On a eu peut-être un petit avant-goût, mais on a quand même eu des très belles performances, des très belles luttes en piste, comme tu as pu nous offrir avec Mac.
Et j'avais posé la question aux deux que je vais te poser également. Est-ce qu'il y aurait un tracé de rêve que tu aimerais voir ce groupe-là courser dessus? Que ce soit un tracé qui est sur iRacing ou non. Et jusqu'à à date, les réponses que j'ai eues, c'est Bathurst et le Road America. Honnêtement, moi, je suis plus de l'école que peu importe la piste, ça reste un champ de bataille. Donc, j'ai pas de piste en particulier. J'ai bien apprécié la course au circuit Gilles Villeneuve, qui était très serré aussi et tout. C'est un circuit qui est beaucoup plus technique, par exemple, que Mossport. Mossport, au niveau des bagarres, j'ai toujours trouvé que c'était pas... C'est le fun à piloter, mais ça donne pas des belles bagarres. Puis pourtant, j'ai eu des super belles bagarres, autant en virtuel qu'en réalité sur ce circuit-là aussi. Donc, ma réponse est non, je n'ai pas de circuit, comment je pourrais dire, où ce que j'aurais vraiment aimé piloter contre ces pilotes-là. Je pense que c'est plus les voitures et les pilotes qui font le show et moins les circuits. Peu importe les circuits, il y a toujours moyen d'avoir du plaisir puis d'avoir des bagarres hallucinantes. Intéressant comme point de vue. Je m'attendais vraiment à une réponse directe, mais j'aime ta réponse également de voir que justement voir l'autre côté de la médaille où justement c'est comme tu dis, c'est le circuit qui fait la différence. C'est pas le circuit qui fait la différence, c'est les pilotes qui sont là. Et justement, ce qu'on a aimé de pouvoir diffuser cette série-là, eh bien, c'est justement le haut calibre qu'on a pu voir. Et si on peut avoir l'expérience à nouveau, évidemment, on va reprendre ça immédiatement. Vraiment, on a eu énormément de plaisir. En terminant, Olivier, est-ce que tu aurais des gens à remercier pour ta performance? Toujours mes commanditaires TBD, to be determined. honnêtement, je voudrais remercier les gens qui ont mis le championnat sur pied en si peu de temps quand même pour réaliser quelque chose d'aussi bien. C'est le fun de pouvoir se retrouver tous entre pilotes et courser comme ça. Et vous aussi, les gars, pour le broadcast, c'est le fun. Ça offre une belle visibilité. C'est sûr que c'est bon pour le sim racing, c'est bon pour la course automobile. Puis, c'est sûr que ce qu'on a appris, ce qu'on a, tous les efforts qui ont été mis durant cette période-là du COVID, c'est sûr que durant l'été, pour les pilotes, c'est plus difficile, surtout ceux qui ont des volants à temps plein. Mais forcément, je crois fortement que le sim racing est là pour rester au niveau des pilotes professionnels, surtout durant l'hiver, durant le off-season. Donc, merci les gars, merci aux personnes pour le championnat, et voilà. Et merci à toi, Olivier, puis au plaisir de se retrouver sur la piste. Ça fait un petit bout, d'ailleurs, qu'on s'est pas battu en piste, nous deux, donc au plaisir de se revoir sur la piste virtuelle, évidemment, et bravo pour ta troisième place. Merci beaucoup, puis ouais, n'importe quand, on se voit sur la piste. Parfait. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous aussi, les boys. Donc, Olivier Bédard qui était avec nous en entrevue. Bref, messieurs, on est rendu pratiquement à la fin de cette série de reportages. Je voudrais savoir votre opinion par rapport à ce qu'on a pu voir justement au courant de ces 4 semaines de course. Quelle est votre première pensée à chaud de ce qu'on a vu? Est-ce que tu me permets de répliquer sur la réponse d'Olivier? Ben oui, voyons. Oh, que je trouve que c'est une réponse de politicien qui s'est patiné! Parce que c'est très difficile de croire qu'un pilote n'a pas une petite piste qu'il adore, qu'il affectionne plus que les autres. Je vais dire que je suis surpris de ne pas avoir entendu Mont-Tremblant, mais encore là, est-ce qu'on aimerait tous avoir Mont-Tremblant sur iRacing? Oui! iRacing... Encore une fois, c'est vrai, ça fait un petit moment, les messieurs, qu'on n'a pas fait d'appel à iRacing pour une nouvelle piste ou quelque chose de nouveau. Eh bien, c'est le moment ce soir, on veut Mont-Tremblant. Ouais, mais attendez un petit peu, petite parenthèse pour ceux qui jouent également sur iRacing, qui nous écoutent. Le sondage a été lancé par iRacing récemment pour voir les améliorations qui pouvaient être faites et justement suggérer une piste qui pouvait être ajoutée dans le jeu. Alors, c'est peut-être le moment idéal, là, je fais l'appel à tout le monde, de peut-être, dans votre sondage que vous avez reçu, de justement répondre que vous voulez Mont-Tremblant ou une piste canadienne là, ou québécoise, là, parce que oui, on pourrait avoir également Trois-Rivières. Donc, de le demander ouvertement, de dire, écoutez, dans le sondage, nous, on veut Mont-Tremblant. En tout cas, moi, c'est sûr que c'est ce que je fais ce soir. Je me souviens, messieurs, et ne me prenez pas sur parole là-dessus, puisque j'y vais de mémoire, et il y avait peut-être de la spéculation derrière ça, qu'il avait déjà eu une offre sur la table pour Trois-Rivières et Icar dans un scan là, commun, là, des deux pistes. Malheureusement, ça n'est resté qu'au domaine de spéculation et des rumeurs. Donc,
Possiblement, malheureusement, la crainte que j'ai, c'est qu'évidemment, les coûts sont très faramineux. Et avec la saison actuelle, qui est malheureusement très difficile pour certains tracés, vu l'annulation, certes, là, possiblement du Grand Prix de Trois-Rivières, je ne le souhaite pas, mais ça semble être difficile à tenir. Ça a été annoncé au début, au mois d'avril. Mais tu sais, au niveau... J'ouvre la parenthèse et je termine là-dessus. Mont-Tremblant, c'est pas un circuit qui est très utilisé non plus. Donc, à ce chapitre-là, ce serait pas quelque chose de très compliqué à faire. Ça, je également, je vais rouvrir la parenthèse pour la refermer par la suite. Cette piste-là appartient à la même personne que Racing Point. Je dis ça comme ça. Ah, eh bien. Donc, côté argent, c'est pas ça qui manque. Maintenant, est-ce qu'on veut mettre cet argent-là pour scanner la piste? Immortaliser le tracé, ouais. Voilà. Là, c'est l'autre question parce que, justement, c'est pas tout le monde qui veut mettre cet argent-là et c'est normal. Tous les frais sont aux frais du propriétaire, en fait. Donc, ce serait Monsieur Stroll qui devrait avoir payé. Donc, on s'entend que c'est un peu compliqué, malheureusement. Mais pour revenir à ma question initiale, par contre, messieurs, comment avez-vous trouvé la série, justement? Je vais commencer. Moi, personnellement, j'ai adoré ce spectacle-là. C'est sûr que parfois, on a vu peut-être des gestes qui étaient un petit peu peut-être involontaires. Je pense notamment à Scott Hargrove sur Andrew Waring, justement, à la sortie de l'épingle au deuxième tour à Montréal. Mais à l'exception de ça, j'ai pas le choix de donner le spectacle qui a été là du début jusqu'à la fin. On a vu des manœuvres vraiment époustouflantes être effectuées par les pilotes au cours des quatre courses. La compétitivité était là dans le sens où est-ce que même en qualification, on voyait que l'écart était très serré et ça, c'est pas souvent la chance qu'on a de voir un tel scénario. Quand on voit 4, 5 et même parfois 6 pilotes se retrouver dans la même dixième, voire dans deux dixièmes d'espacement, c'est rare qu'on voit ça. C'était grandement apprécié. Moi, honnêtement, chapeau à tous les pilotes qui ont pris part à la série parce qu'on a loué à tout un spectacle, que ce soit à l'avant, au milieu et à l'arrière du peloton. Le mot que tu me proposais, Olivier, tu demandais un mot à chaud. Splendide. Honnêtement, c'est certes, comme Luc le mentionne, des petits accros qui, à mes yeux, viennent avec le fait que c'est un groupe de pilotes qui apprennent à se connaître, qui proviennent de différents milieux, avec des différentes voitures, de différentes séries. Donc, d'amener tout ce beau monde-là ensemble et d'espérer que toutes les courses vont être propres comme une série que ça fait 10 saisons qui roule. C'est difficile à croire. Donc, c'est normal qu'il y ait eu des petits accrochages. C'était un niveau de compétition très relevé. Et c'est la crème de la crème de ce qu'on pouvait obtenir là, du côté de la course automobile canadienne dans ces temps difficiles comme spectacle. Et vraiment, chapeau aux organisateurs, Apex V2R, Marc-André Michaud, qu'on salue bien évidemment pour cette belle petite série qui, à mes yeux, je reste sur mon appétit, messieurs. J'aimerais s'en voir plus, mais je pense qu'on a eu le droit à un excellent spectacle. Il faut chérir cela. Il faut en être content et satisfait, puisque ça vient d'ouvrir certainement des portes là, vers de plus grandes et de plus belles choses. Oui, et pour remettre mon grain de sel à nouveau, en fait, je vais te reprendre là-dessus, Eric. C'est Marc-André Séguin, en fait, donc qui... Séguin, mes excuses. Donc, qui s'occupe d'Apex V2R, qu'on remercie énormément. En fait, sans eux, on n'est pas là, donc on ne diffuse pas ça, genre pour faire connaître autant le sim racing que la course automobile canadienne qui gagne à être connue. Et justement, avec le spectacle qu'on vient d'avoir, c'est là qu'on se rend compte qu'au Canada, on a une scène de la course automobile qui est saine, qui est compétitive, avec des pilotes talentueux, des pilotes de la relève, des pilotes même les plus expérimentés, qui tirent leur épingle du jeu et qui amènent un niveau incroyable, et on a pu le voir en virtuel. Souvent, les gens vont dire que le virtuel, c'est pas la même chose. On a vu certains propos dans les médias qui n'étaient pas très flatteurs envers le virtuel. Eh bien, messieurs, tout ce que je peux faire pour faire taire ces propos-là, c'est citer en exemple le Canadian Air Racing Challenge. Vraiment, on a eu droit à tout un spectacle, à du pilotage très propre. Oui, Luc, tu mentionnais qu'il y avait eu quelques petits... accros, mais ça fait partie de la course automobile, malheureusement. Il va toujours y en avoir. On appelle ça des accidents. Le mot est très bien choisi. C'est des accidents. C'est à part une ou deux petites choses, mais on reviendra pas là-dessus. C'est des malchances là, qui, justement, on est passé par-dessus. Et j'ai hâte de voir ce que le sim racing, ce que la course automobile va pouvoir nous apporter dans les prochains mois. L'été qui commence, on a eu des très belles températures, des
très belle météo également, pour ne pas inclure que la température. Donc, j'ai hâte de voir si on va avoir une petite saison ou si le tout va se continuer en virtuel. Et évidemment, si ça se continue en virtuel, eh bien, SFTV, on va être là pour en commenter autant que possible, évidemment. Et là-dessus, c'est ce qui permet de faire un petit tremplin vers nos prochains rendez-vous, en fait, messieurs. Donc, dès mercredi prochain, en fait, on a donc le iRacing Challenge qui complète sa petite saison d'essai pour le mois de mai à Silverstone en Formule 3. Donc, dès 20h30, on revient un peu à nos dans nos pantoufles, en fait, pour une ronde du iRacing Challenge en direct de Silverstone, si je ne l'ai pas dit. Donc, le nouveau tracé qui sera donc l'hôte de cette dernière course de la saison. Également, pour ce qui est du EGT3 Challenge, donc on va être au circuit de Zolder deux jours plus tard, donc le vendredi, toujours sous le coup de 20h30 sur les ondes d'SFTV, pardon. Donc, soyez présents pour ces deux belles courses. Et également, j'en profite pour vous inviter donc à notre balado. Ça fait deux semaines qu'on a lancé et balado sur le Sim Racing qui se tient tous les jeudis sur les coups de 20h sur la page Facebook de SFTV et les VOD sont disponibles toujours sur YouTube. Même chose pour tout ce que l'on diffuse sur notre page Facebook, ce sera également sur YouTube, youtube.com/SFTV Racing en un seul mot. Donc allez là évidemment pour tout. Toutes les VOD et aussi pour ce qui est de la balado, eh bien, ce sera disponible sur Spotify, sur Apple Podcasts. Dès que possible, on travaille là-dessus présentement. Et donc là-dessus, c'est ce qui conclut donc notre reportage pour ce soir. À mon nom personnel, Olivier Turcotte ainsi que Rigaudreau Dapeau et Luc Carbonneau. Merci beaucoup d'avoir été présents et on se retrouve donc ce mercredi pour d'autres course virtuelle Sim Racing sur les ondes SFTV. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine tout le monde. Salut. Yo, yo, carambolage au virage numéro 3. Les portes du Seigneur qui s'ouvrent pour la 52. Est-ce que ça va être suffisant? Bienvenue sur les ondes d'SFTV.